c'est des entités qui vivent entre les cieux et la terre, qui habitent dans la nature et qui enchantent et désenchantent, qui ont une vision, ils sont très proches de nous, mais en même temps proches de l'univers. Ils sont là, comme une magie. Je pense que la joie peut aussi être une façon de lutter, une façon de résister. Pas seulement la joie, mais la joie aussi. Et on peut résister avec espoir, une espoir combattante, une joie combattante.